Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Alice, retour au pays de la folie, live sur la chaîne Caribou Canadien. Oh yeah! Ah, c'est la chenille dans son cocon. Que peut-elle faire pour m'aider ou pour arrêter ce mal? Que pourrait-elle savoir que j'ignore? Jadis, tu l'as connue et aimée. Le temps nous affecte tous. Le temps joue contre nous. Souviens-toi quand tu trouveras la reine. Vous là, ça suffit comme ça. Tu deviens inhabituée, Alice. Elle a fait quoi, Fred? À hurler à la mort dehors, à marmonner quelque chose à propos d'un meurtre, à insulter les insectes et les voies ferrées nationales. Vaut mieux les calmer, pas vrai? Non. Dangereuse pour elle-même, inoffensive pour les autres, à mon avis. Rien à faire en prison. T'as raison, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle, alors? Relâche-la, Fred. Qu'elle retourne chez Bambi. Il a pas aimé qu'on la garde la dernière fois. Ah ouais, vraiment? La nuit où Splatter, cet enfant de putain, s'est fait passer pour ses exploits devant la sirène, je raccompagnais Alice et... on a croisé deux bleus qui tenaient le Jack. Il vociférait comme d'habitude, il se débattait, il braillait, puis il a vu Alice. « C'est à cause de cette pute !» qu'il a gueulé. Elle lui a répondu « Ordure, misérable, profiteur du labeur des autres, etc. etc. » Je dois dire que j'admirais son aplomb. Puis elle est tombée dans les pommes d'un seul coup, sans raison. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Qu'il aurait ma peau et celle de mon boulot. Comme si j'aimais cet endroit. Et pour ma peau, ma femme s'en charge. Bonne nuit. Debout, là. Les charges, c'est pas ça. Je suis en congé. Château de la Reine de Cœur.
J'aurais brisé son cœur, joué avec ses sentiments. Oh mon Dieu, il m'a touchée. J'ai dit à papa de ne plus l'inviter chez nous. Lueur ? La lueur est inutile lorsqu'elle met les douleurs et souffrances en lumière. Mieux vaut les laisser se noyer dans le sombre l'été, l'infernal fleuve de l'oubli.
Je comprends pas. Ah, j'ai oublié de garder. C'était. Ça marche pas. Ah, je viens de comprendre. Comment impossible? Hey, c'est déjà formé, comment tu veux faire ça? Il fallait que je fasse exploser pour monter de nouveau. Là.
Ils ont fermé déjà. Ok, non, c'est ça. Ça. Faut que je le...
Te revoilà à ton ouvrage, de retour sur la scène du crime. Il fallait le faire, le chat, tu l'as dit toi-même. La Reine Rouge et toi ne pouvaient pas cohabiter. Elle est comme un cancer dans ton corps. Tu dois la tuer ou tu mourras. Oui, elle était le visage même du mal au cœur des ténèbres. Elle ne t'a pas trop bien traité. Tu en as perdu la tête, si je ne m'abuse. Je n'y ai pas coupé, c'est vrai. Tu as pris sa couronne, puis tu l'as reposée. Tu dois lui parler, si toutefois il en reste quelque chose. Coupez-lui la tête. Tu n'es pas des nôtres. Je soutiens la monarchie, en théorie. La reine est très compétente dans ses fonctions, quelles qu'elles soient. Mais n'est-elle pas une personne comme nous autres ? Alice, aucun indice. Complète cette suite. 1, 3, 4, 7, 11.
2, 3. Fais-tu semblant d'être idiote? Qu'est-ce qui coule sans se noyer? Suis un cours sans être éduqué? À un lit, mais jamais ne dors? À une source, mais jamais n'informe? Qu'est-ce qui coule sans se noyer? Bonne réponse, Miss. Le côté rouge est en ruine, mais vous ne valez pas mieux. Quand vous l'avez vaincu, j'ai voulu prendre le château, mais je me suis retrouvé pris au piège ici. Sa non-majesté règne toujours. Je viens pour une requête. Je dois entrer. Vous devez me passer sur le corps, en guise de sacrifice. Celui qui pousse au sacrifice n'est pas le plus courageux. Un attentat à ma valeur, attendez voir. À l'intérieur se trouve un géant qui veille sur son domaine. Ne l'affrontez pas. Il est invincible. Bien, libérez-moi. Je vous montrerai ce qu'est un sacrifice. Thank you.
Et un tabarnak. Chienasse, ça va être compliqué ça là. Tabarnak. Je comprends pas.
En prenant peur. Si je l'ai eu. Chaque image raconte une histoire. À quoi peut bien servir un livre sans images ni conversations ? On prend pas là. Il est là,
Pas de tapis en peau d'ours, ni de tête sur les murs, ni aucune bête empaillée dans notre maison. Respectons la vie des animaux. Coupez-lui la tête. Que beau, quoi. Mais quel idiote! Don Quichotte aurait plus de chance avec ses moulins, et sans risquer d'y perdre ses manches. Prudence n'est pas toujours compatible avec la fuite. Yeah.
Mais quel idiote! Don Quichotte aurait plus de chance avec ses moulins. Et sans risquer d'y perdre ses manches. Prudence n'est pas toujours compatible avec la fuite. Mais quel idiote! Don Quichotte aurait plus de chance avec ses moulins, et sans risquer d'y perdre ses manches. Prudence n'est pas toujours compatible avec la fuite. On peut pas le tuer. Il fallait pas rester là. Une arme sert autant à impressionner qu'à blesser. Elle n'a de valeur que dans une main qui sait s'en servir.
Ce gardien ne quitte jamais sa tanière. C'est un honneur pour toi. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Alice, retour au pays de la folie, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!